Je suis votre frère Josué. J'ai eu à cœur de faire ce CD de cantiques avec ma compagne et mes deux filles. Je parcours les prisons depuis 2010 et j'ai enregistré des témoignages d'anciens détenus que j'ai suivis en prison ou que j'ai rencontrés dans différentes églises après leur sortie de détention. Ils ont été touchés par la grâce et l'amour de Dieu et sont passés des ténèbres à la lumière. En 2020, l'aumônerie protestante en France et Outre-mer est composée de 350 aumôniers, dont 70 faisant partie de la mission évangélique Vie et Lumière pour 190 prisons. La tâche est difficile, mais nous comptons sur le Seigneur qui nous a envoyés et qui nous a promis dans sa parole qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Notre mission, il est écrit dans le livre de Jude, au chapitre 1, verset 23, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». Et c'est ce que nous nous efforçons de faire par sa grâce. J'invite ceux qui écoutent ce CD à se tourner vers Dieu et de ne pas attendre de passer par des problèmes pour le faire, car le Seigneur vient bientôt chercher son Église. J'invite l'Église de Jésus-Christ à prier pour cette œuvre, pour les prisonniers et pour tous les aumôniers. La vente de ce CD servira à l'aumônerie Vie et Lumière pour la diffusion de Bibles, de CD et tout ce qui concerne l'œuvre de l'aumônerie. Que Dieu vous bénisse à travers ces cantiques et ces merveilleux témoignages. Que Dieu vous bénisse.